Salut à tous, Eric Le Gauche, Galago Musique. Alors aujourd'hui, pas de chapeau. Bon, bah, ma foi, je l'ai oublié. En revanche, on va essayer de voyager un petit peu. Ça change, là. Il y a un petit peu de technique aujourd'hui. Hein. Après, je vous situerai la personne qui s'en occupe. Mais on voudrait tenter de vous emmener, par exemple, à un endroit où il y a des pingouins. Un endroit où il fait froid. Un truc comme ça. Ouais, c'est un truc où ça caille vraiment. Donc je sais pas si c'est très intéressant. Plutôt un endroit où il fait un peu plus chaud, quand même. C'est trop maintenant, c'est vraiment trop. Il y aurait un endroit plus cool, s'il vous plaît, à l'endroit, je ne sais pas, il y aurait des mouettes, il y aurait de... Ouais, voilà, là, comme ça, c'est ça. Donc, le morceau du jour, Always Love, est un titre du groupe Nada Surf, un groupe de rock indépendant américain, qui a sorti cette chanson sur l'album The Weight is a Gift, Le Poids est un cadeau, en 2005. Et c'est un morceau qu'on trouve dans pas mal de bandes son de séries américaines, notamment Six Feet Under, il me semble, Heroes... Il y avait How I Met Your Mother, tout ça, tout ça. Capodas en deuxième casse, je vais faire l'explication avec. Voilà, voilà. Et oui, je voudrais aussi remercier et saluer mon élève Solveig. Salut Solveig, qui m'a conseillé ce morceau-là juste avant les grandes vacances. Je lui ai dit que j'allais certainement le faire, étant donné que ça passait bien dans le cadre d'un tuto. Donc voilà, bonjour à toi. Bah, let's go, je vous montre les accords et puis après on voit ce qu'on fait. Alors, premier accord, ça va être un Fa majeur 7, un bébé Fa ou Fa diagonale. Vous placez l'annulaire en troisième case de l'accord de Ré, le majeur en deuxième case de l'accord de Sol, index première case de l'accord de Si. Et vous laissez le petit Mi à vide. Ça doit sonner comme ça. Voilà, c'est très joli, très éthéré. Un accord de Fa majeur 7. Donc, gna gna. Ensuite, on aura un accord de Do majeur. Donc, l'index sera en commun, vous ne bougez pas. Et ces deux doigts-là, vous gardez le même écart et vous les déplacez. Hop, une corde vers vous. Donc troisième case de la corde de La, deuxième case de la corde de Ré. Bon, Do majeur, quoi, hein, voilà. Ensuite, Mi mineur tranquillou, tranquille et mille. Vous placez juste majeur et annulaire sur deuxième et deuxième case des cordes de La et Ré. Voilà, hein. Et puis La mineur. Pour le La mineur, ces deux doigts-là, vous les déplacez une corde vers le plancher. Et vous rajoutez l'index en première case de la corde de Si. Vous laissez bien le petit Mi à vide. Voilà, vous pourrez bloquer le gros Mi avec le pouce éventuellement, mais de toute façon, toute cette partie-là se fera en arpège, donc il y a moins de risques quand on gratte les accords. Voilà, donc ça, c'est des accords de base. Nous aurons également un accord de Sol majeur, qu'on va placer comme ça. Enfin, il nous faut, en tous les cas, entendre la troisième case du petit Mi et la troisième case du gros Mi. Donc, ce doigté-là peut faire l'affaire, annulaire et petit doigt. Le majeur, bien qu'il ne sera pas obligé de le placer, mais bref, soit comme ça, soit éventuellement comme ça, pourquoi pas. Ça change un petit peu de positionnement, mais bon, a priori, hein, ce serait plutôt positionnement comme ça. Cet accord-là fonctionnerait, mais dans ce cas-là, vous enlevez l'annulaire. Il nous faut vraiment avoir le Si à vide, c'est une des notes qu'on entend dans l'arpège du couplet, du refrain, pardon. Et nous trouverons après, donc ça c'est pour la version vraiment acoustique. Si vous avez une guitare électrique, il y a certains accords qu'on fera en barré. Il y aura notamment l'accord de Fa majeur. Vous pouvez le faire comme ça, vous barrez tout en première case, vous faites une position demi majeur, à savoir troisième case des cordes de La et Ré, deuxième case du Sol. Ou bien, je vous invite vraiment à travailler ce positionnement-là. Vous conservez ces deux doigts là où ils sont, comme le barré. Ces trois doigts là d'ailleurs, et vous placez l'index ici en première case de la corde de Si. Le petit Mi, vous essayez de le bloquer avec l'intérieur de l'index, ça va toucher, ça va bloquer la note, pas besoin de s'embêter à vouloir absolument avoir le petit Mi, on s'en fiche un peu. Et par contre le pouce par-dessus le gros Mi, première case pour avoir la basse. C'est un positionnement très pratique que vous pourrez déplacer, donc ça vous évitera d'avoir des positionnements qui vous fatiguent la main, et après par-dessus ça vous pourrez faire des petites variantes de notes. Donc, travaillez vraiment ce positionnement qui remplace la position du barré. Voilà, dernière chose, il y aura un petit accord de Ré mineur qu'on pourra faire comme ça. Si vous avez une acoustique, première case du Mi, troisième case du Si, deuxième case de la corde de Sol, ou bien en barré. Par contre, ce barré-là, on ne peut pas le faire. On va le faire autrement, mais on le ferait comme ça. Vous barrez la cinquième case, vous faites une petite position de La mineur. Voilà. Vous suivez les schémas, de toute façon. Vous trouvez la partition, bien sûr, sur le site, là. Vous cliquez là, où il y a marqué, cliquez ici. Et ça vous amènera directement sur Galago Musique. Et vous regardez en bas de la vidéo, à gauche, il y a un petit lien pour télécharger tout ça. Ok, on attaque, je vous montre les quatre parties.
Nous allons donc trouver quatre parties dans ce morceau A, A', B, B'. Voici la partie A qui sert d'intro et de couplet. Donc ça, c'est la partie en arpège. Fa majeur 7 pour commencer. Voilà ce que donne l'arpège. Déjà ça. Corde de Ré, corde de Si, celle du milieu, corde de Sol, petite mine. Celle-là, vous l'attendez un petit peu plus longtemps. C'est une note liée, vous voyez, sur la partition. Il y a le petit trait et la note derrière qui n'est pas répétée. Donc, le zéro dure plus longtemps. Le petit mine. Long. Ensuite, vous regrattez la corde de Si. Après, corde de Ré à nouveau. Et la recorde de Sol, sauf que le majeur est parti. Vous entendez bien la corde de Sol à vide à la fin. Je vous refais ça. Long. Sol. Voilà. Encore. Long. D'accord. Ensuite, vous gardez l'index enfoncé, on ira vers la corde de Do majeur. Là, le schéma va ressembler très fort. On va juste chercher sur chacun des accords la note fondamentale en premier, c'est-à-dire la note qui donne son nom à l'accord. On veut jouer l'accord de Do majeur très bien. La première note qu'on va jouer, c'est celle-ci, c'est la note Do. Enfin, la note Ré, étant donné qu'on a un capodarce. Disons que c'est le positionnement de l'accord de Do. Donc le schéma d'arpège, on va faire un saut de corde de ouf jusqu'à la corde de Si. On refait un saut de corde, corde de Ré. Et petit mi. Bossez bien cette mesure-là. Treasury, non, encore. Long pareil, ensuite Si à nouveau, la corde de Ré, la corde de Sol. Je vous refais toute la mesure de Do. Mercredi. Long. Voilà, mais là il n'y a pas de coup de doigt qui s'enlève à la fin ou quoi que ce soit, donc on est bien. Je vous fais les deux premières mesures. Ensuite mi mineur, donc là on va chercher en premier la note fondamentale, c'est un accord de mi mineur, il nous faut la note mi, la note fa dièse du fait du capodastre certes, mais bon, positionnement de mi mineur, l'arpège, corde de mi, corde de si encore une fois, saut de ouf, voilà, on retrouve hein, quasiment régulièrement par contre le même découpage, une fois qu'on a passé la première corde. Que A, corde de mi, corde de si, corde de sol, corde de petit mi, long, ensuite corde de si à nouveau, corde de ré et corde de sol. Encore une fois cette mesure. Long. Et pour terminer cette partie A, on aura un La mineur à la main gauche. Le schéma commencera par la note fondamentale, la corde de La. Ensuite corde de si. Voilà, donc c'est pas hyper compliqué, faut juste bien faire gaffe à bien gérer les sauts de cordes en fait. Long. Voilà, ce morceau vous fera faire des progrès vraiment pour ça. Alors je vous fais toute la partie A, pas trop vite. Voilà, pour l'instant vous faites que des mouvements vers le bas, et une fois que vous êtes un petit peu à l'aise avec bon, déjà les enchaînements d'accords et tout ça, ce que je vous conseillerais c'est de faire que des allers-retours ensuite, c'est-à-dire sur le Fa majeur, genre pour les médiators, hein, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. C'est comme si vous faisiez une bébé rythmique, comme ça, que des croches, et donc du coup par exemple la 2, 4, la 5e note ne serait pas grattée vers le bas, mais vers le haut du fait de votre découpage en aller-retour. Bas, haut. Il faudra le travailler bien lentement, vous prenez le temps pour que ça puisse donner ça après.
forcément. Donc c'était la partie A, maintenant la partie A' pour le refrain, toujours en arpège pour l'instant, c'est quasiment pareil. On va commencer par un accord de Fa majeur 7. Toujours le coup du j'enlève le majeur à la fin de cette mesure. Après l'accord de Do majeur, tranquillou pareil. Et après l'accord de Sol majeur, le V'là. Donc celui-ci, vous n'êtes pas obligé donc de placer le majeur. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est troisième case et troisième case, hein, des cordes du gros mi et du petit mi. Et là, on va faire ça comme arpège, note fondamentale d'abord, note sol, tac. Voilà. Après, corde de si, grand saut, encore une fois. J'en saute une corde de ré, petit mi, et je reviens, corde de si, corde de ré, corde de sol. Je vous refais cette mesure. Voilà les quatre premières notes. Encore. Voilà, vous prenez le temps hein, sur chacun des accords, etc. Après cet accord de sol, on retrouvera l'accord de Fa majeur 7. On aura nos 4 mesures pour la partie A'. Je vous fais toute la partie A' une fois pas vite. La partie où il chante un always love, it will get you every time. Voilà, donc ça c'est la partie A', super. Nous allons attaquer à présent la partie B. Ok, donc dans le morceau on a la partie A et A' qu'on vient de voir en arpège, mais on a également la même grille, c'est-à-dire ce sera les mêmes accords quasiment, mais avec de la rythmique en mode bourrin. Alors donc, le couplet en mode bourrin, ça donnera ça pour la rythmique. Ok, donc les accords qu'on va placer, on pourra garder exactement les mêmes, et pour avoir plus de son, plus d'intensité, on va les compléter. L'accord de Fa majeur 7, on va faire l'accord que je vous avais conseillé au départ. L'accord de Fa majeur comme ça. Ou en barré, si vous préférez. Mais bref, on a donc une mesure de Fa majeur. Voilà. Dès qu'on a fini avec le mouvement vers le haut, on attaquera l'accord de Do. On suit la grille de la partie A qu'on avait avec les arpèges. Donc du coup, Fa majeur. Alors, ce retour-là qui termine la fin de la mesure est très important. Étant donné que c'est l'endroit où on va essayer de conserver que les notes qu'on aura en commun d'un accord à l'autre. Entre le Fa majeur en cet positionnement et l'accord de Do, on a même deux doigts en commun, c'est ces deux-là. Donc du coup, sur ce retour, vous enlèverez les doigts qui ne font pas partie de l'accord d'après. D'accord. Ça, vous êtes déjà en place. Bon, en gros, chacun se débrouille un peu comme il veut, mais disons que ça, c'est vraiment une technique très intéressante. J'aurais plus tendance à faire ça, bien que le Do soit en commun. Enfin, la note ici en première case, mais voilà. En tous les cas, essayez de conserver celui-là, entre le Fa et le Do. Donc, la partie du couplet en accord, en mode bourrin. Ensuite, Do. Hop là, j'enlève carrément tout, parce qu'après, je vais aller chercher le Mi mineur. Je ne vais pas suivre celui-là, d'ailleurs, bien. Mi mineur 7 dans l'histoire. Pour ajouter le petit doigt en troisième case de l'accord de Si, là. Même rythmique. Hop, j'enlève tout, aucun doigt en commun pour aller chercher le La mineur. Et là, j'enlève tout sauf l'index parce que je reviendrai sur le Fa, c'est-à-dire qu'on a fini la partie A en mode bourrin. Donc, repartie A en accord comme ça. Et au tempo,
Donc ça, c'était pour la partie A en mode accord. Maintenant, la partie A', le refrain. Les accords, ça va être la même grille que tout à l'heure, quasiment. C'est-à-dire qu'on va garder l'idée d'avoir un Fa majeur, un Fa majeur, un Do, un Sol et Re Fa. Bon, d'accord. Déjà, voyons la rythmique du refrain qui est plus simple. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a toujours le E qu'on peut rajouter. Surtout si vous êtes en mode acoustique, comme ça fait très très bien. Si vous étiez en mode électrique, vous feriez uniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 croches pour une mesure, soit 4 temps. Parce qu'il faut 2 croches pour rentrer dans un temps. Donc la partie du refrain en mode bourrin, partie A'. Donc le Fa majeur 7 qu'on avait tout à l'heure, on va le densifier un petit peu pour qu'il y ait plus de son, notamment plus de graves. Donc la partie A' bourrin donnerait ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et Do. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et notre fameux Sol. Soit vous le faites comme ça, soit vous gardez le positionnement du Fa majeur comme ça, décalé de 2 cases. Ah, pas bête, hein. Donc du coup, Fa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 3, 4, 5, le Sol. Et après, on retrouve le Fa. Et voilà, vous avez fait le A' en mode bourrin. Le refrain. À l'intérieur de cette rythmique, vous allez accentuer la troisième et septième croche qui correspondent respectivement au deuxième et quatrième temps, ce qu'on appelle l'afterbeat. À la batterie, ah, je vous le dis toujours, ça c'est le coup de caisse claire du batteur. Ce qui va, je vous le fais une fois sans les accents, une fois avec les accents. 1, 2, 3, 4. L'accord de Do, si vous êtes électrique, vous pouvez le faire comme ça, autrement. Comme le petit schéma l'indique, là, ou bien avec ce doigté-là, comme vous voulez. D'accord, plutôt ça. Comme ça évite les cordes à vide à l'électrique. Parfois, quand il y a de la saturation, ça évite ça. Voilà, donc ça, c'était la partie... Donc, on a vu la partie A' en mode arpège. Maintenant, A' en mode accord bourrin, c'est vu. Il nous reste le B et le B'. Alors, les parties B et B' n'existent pas en arpège. Ils sont uniquement en mode bourrin. Donc, ça, c'est bien. Alors, la partie B, que j'ai appelée pont, ça donne ça. Une mesure de Fa, avec la rythmique 8 coups vers le bas, plus le retour. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et. Sur le B, hein, dans les vrais machins, on va aller vers le Do. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et. Alors, on enlève tout ensuite. Donc, pour aller vers le Ré mineur, le La, et Re Fa derrière. Donc la partie B, une mesure de Fa, une mesure de Do, une mesure de Ré mineur, et une mesure de Fa, à nouveau. Donc, avec la rythmique pour 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et Do. Ré mineur, et puis Fa, et re-B, avec les accents. D'accord. Si vous êtes à l'électrique, le Fa, ça change pas. Le Do, au lieu de le faire en position scout, vous le faites comme ça. Et après, vous décalez pour faire le Ré mineur. Comme ça. Je vous fais juste une fois de cette manière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Do. Ré mineur. Et Re Fa. Donc après, je vous dis la structure, hein, le nombre de fois on fait chaque partie. Et la partie B', comme ça on aura terminé pour les machins, il n'y aura plus qu'à le mettre dans le bon ordre. La partie B', c'est 4 croches de Sol, 1, 2, 3, 4, 4 croches de Fa, 1, 2, 3, c'est même 3 coups plus un aller-retour muté, 1, 2, 3, pour faire ça, j'enlève juste le poids des doigts, et j'enlève bien le poids de tous les doigts, s'il reste des doigts enfoncés, ça va faire un truc un peu pourri comme ça, ah non, il faut que, d'accord, donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et Do. 8 fois. Soit Do comme ça, soit Do comme ça. Selon le type de guitare que vous utilisez. Donc le B' à nouveau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6.
partie A en arpège. Je vais vous enchaîner une fois le B et le B', comme ça on aura vraiment tout. Et après, il n'y a plus qu'à le mettre dans l'ordre qu'il faut. Let's go, 3, 4. Encore une fois le B avec les accords pour l'électrique. Le mineur. Et Fa. En barré comme ça, pourquoi pas. Et le B'. Oui, B'. Là, je l'utilise volontairement des barrés. Vous voyez que ça marche aussi, hein, si ce positionnement-là vous embête. Et je mélange. Oh, la transition pourrie. Je vous donne la structure, on aura terminé. Donc, pour terminer la structure du truc, nous avons au départ un A qui sert d'intro. Alors, cette partie-là est toute en arpège. Et on a ce A en arpège deux fois de suite. Oui, alors on me dit qu'on voit la feuille, mais je l'assume totalement, hein. Vous savez. Donc, ça, c'était le A qui sert d'intro. Ensuite, le même A deux fois pour les couplets. Il chante par-dessus tout le monde. C'est quoi les paroles? Ok. Ensuite, on a le A prime deux fois en arpège qui sert de refrain. Ensuite, on attaque le mode bourrin. C'est quand il y a la batterie qui rentre et tout ça. Donc là, on a le A trois fois en mode accord avec les accents. Donc la rythmique du A, hein, vous souvenez, c'est ba, 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 au bas. Super bien. Après, on attaque le refrain A prime, toujours en mode accord, deux fois le refrain. Donc là, la rythmique change, vous vous souvenez, hein, c'est 8 coups plus un retour. Le sol majeur, on pourrait le faire en mode acoustique, hein, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Encore. Resteriez en mode accord avec les rythmiques respectivement de la partie A qu'on aura deux fois. De toute façon, vous suivez à l'écran, c'est écrit. Hein. A, A, ensuite A prime, A prime à nouveau, ensuite B, B et B prime. Pour terminer la partie en accord, dès que vous avez fait ce B, B, B prime, vous reviendrez sur la partie A en arpège tout doux. Voilà, ça vous l'avez deux fois. Après A prime, donc c'est-à-dire re-refrain, toujours en arpège. Deuxième fois le A prime. Et là on retrouve les re-accords directement dans ta face avec du A prime. Dès que vous avez fait ce A' deux fois, la re en accord, tout de suite après les arpèges 1 qui réintervenaient, on attaque le B deux fois, suivi du B' deux fois. Donc B deux fois, let's go. C'est le Fa d'abord. Ré mineur. On refait le B avec d'autres formes d'accords. Un B' donnera. Ouais. Vous pouvez rajouter des petites roulettes, des petits retours en fait quand ça vous arrange. Hein. C'est pas très grave, ce qui compte c'est d'avoir le bon dynamisme.
Et c'est fini. Merci beaucoup d'avoir suivi le truc. Je voudrais, tiens, à remercier également l'ami Fabrice Gauvry, dit Chaillou, qui nous permet d'avoir, grâce à un script qu'il a fait à la main et tout, d'avoir des vidéos d'excellente qualité. Et qui nous a fourni aujourd'hui quelques petits fonds d'écran, ma foi, bien sympathiques. Parce qu'on a un fond vert. Et viens, Caillou, viens dire bonjour. Ah bah attends, ça se fait quand même. Que je vous présente quand même le grand Caillou, qu'on se connaît depuis 15 ans maintenant. 15 ans. Ouais, c'est lui. C'est lui. Voilà, puis là, voilà, on a un chat qui nous regarde, ça n'a rien à voir, mais c'est lui. Et là, il est très gentil, oui, c'est le chat. Ça, c'est Pimousse. C'est lui, voilà. Ça, c'est Pimousse. Oui, alors. Voilà, c'est une mascotte. On peut faire ce qu'on veut avec, on peut faire du volet, on c'est peut ça. Faire... Et c'est génial parce que quand il a des poils qui tombent, en fait, tu lui passes l'aspirateur dessus, le chat il mange pas. Il passe l'aspirateur voilà. Dessus. Prochain tuto, comment passer un aspirateur sur un chat. Absolument. Go.